Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver avant dernière vidéo sur les animaux. Avant avril, voilà. Ensuite, on se retrouve pour mâle ou femelle. Voilà. Pour commencer, si vous prenez 15 sons, ça sera. Enfin, si vous êtes sûr de prendre 15 sons, enfin, je veux dire 15 sons dans la même case, c'est absolument inutile de regarder cette vidéo. Clairement, vous pouvez partir simplement parce que c'est. Enfin, si vous êtes sûr de ne pas reprendre les sons dans la même case, vous pouvez choisir mâle ou femelle, il n'y a pas de problème. Par avant, si vous voulez deux sons, donc pour commencer, si vous, les mâles sont très dominants, et vous voulez faire une course, mais je voudrais que les pieds, oui, c'est génial. Donc pour commencer, donc les mâles et les femelles sont très dominants, donc si vous voulez deux sons dans la même case, soit deux mâles, donc de la même portée, parce que sinon ils ne s'entendront absolument pas. Sinon, un mâle et une femelle. Là, je pense que c'est le mieux. Si vous voulez une femelle et que par la suite, et que le mâle pour le bout. Voilà. Si vous voulez Alors attendez, excusez-moi. Si vous voulez une femelle et que par la suite vous voulez un autre son, le choix du sexe est libre, soit mâle, soit femelle. Si vous avez déjà une femelle, vous pouvez choisir un mâle. À ce moment-là, il faut castrer le mâle, sachant que la castration est une intervention délicate, c'est pas le préciser. Sinon, vous prenez une femelle et là, c'est mieux. Simplement parce que c'est moins dangereux. Voilà. Alors ensuite, pour arranger la famille quand il y a deux sons, il ne faut pas aller trop vite. Hein, je vous le dis tout de suite. Tout d'abord, s'il y a déjà deux mâles, ça peut être très compliqué et là, je vous conseille de reprendre pas de son. Enfin, en tout cas, pas dans la même case. Alors, voilà. Donc, si vous avez déjà un mâle et une femelle, je vous conseillerais une deuxième femelle parce que si vous avez un mâle, en fait, les mâles vont pas guérir pour avoir la femelle. Du coup, il faudrait prendre, si vous avez déjà deux femelles, c'est mieux de reprendre une troisième femelle. Alors, les manières chez les sons, enfin chez les mâles plutôt, peuvent les hamsters peuvent mourir en fait, jusqu'à la mort, donc voilà. Si vous souhaitez ajouter un mâle, les manières peuvent être très bonnes. Oui. Si vous ajoutez un mâle avec déjà deux mâles, les manières peuvent être vraiment très bonnes. S'il y a déjà deux femelles, comme je vous l'ai dit, vous pouvez ajouter un mâle, mais bien évidemment, il faut le cacher. Sinon, vous pouvez mettre une troisième femelle, ce qui est le mieux, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que vous aurez plu. Donc, en fait, si vous voyez, genre, que j'ai fait la tête, c'est un peu bon parce que j'ai tout marqué sur ce carnet. Voilà, je vais expliquer tout ça. La prochaine vidéo, je vais vous dire hein, comment c'est écuelle ou vibron. Donc, ça sera le thème de la prochaine vidéo. Donc, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à vous abonner et à liker cette vidéo. En tout cas, bye!